من زادي خايلي ديركي ما تبي صحة ديركي ما تبي ربي اللي عطاك ربي اللي عطاك يا عمري ربي اللي عطاك ما توم ما توم الشدة لبودام للسلاك يا عمري لبودام لبودام للسلاك ما توم الشدة لبودام للسلاك Salut tout le monde. Chaque personne parmi nous a son propre comportement et ses propres habitudes. Il y a des femmes obsessionnelles. Par exemple, elles ferment la porte ou le robinet du gaz et à chaque fois qu'elle va à la cuisine, elle vérifie le gaz de nouveau et la porte, si elle est bien fermée ou pas. N'est-ce pas, mesdames? Il y a aussi des femmes obsessionnelles et jalouses. Par exemple, si quelqu'un qui est avec sa femme, en rentrant à leur appartement, il croise devant eux leur charmante voisine. Et la voisine lui dit « Bonjour ». Le gars lui répond par respect, parce que c'est sa voisine, « Bonjour » devant sa femme jalouse. Et il rentre. Il ferme la porte et sa femme commence. Bonjour. Après 3 heures. Bonjour. Moment de dîner à table. Chérie, sers-moi un verre. Bonjour. Le lendemain, chérie, je t'ai préparé le petit-déj. Bonjour. Elle le regarde. Tu ne dis pas bonjour. Je suis fâché. Ça, c'est la version française. La version du bled, les femmes du bled, ou la version des femmes arabes, elle est comme ça. Chérie, je peux préparer le petit-déj, bonjour. Bon, elle rigole pas, hein. Dis bonjour à la voisine d'hier. C'est ça. C'est ça la version du bled, hein, les femmes arabes. Ah, t'es jalouse? Qui? Moi jalouse? Non, ça va pas. Déjà, je n'ai pas compris une chose chez vous, les femmes. Quand vous énervez, vous lâchez vos cheveux et vous les rattachez après. Je n'ai pas compris. Est-ce que vous faites un redémarrage ou vous faites une mise à jour, par exemple? Un autre comportement chez les femmes aussi, quand elles décident de faire du shopping. Elle veut acheter un pantalon, elle rentre au magasin, elle voit une robe, elle admire la lingerie. Elle prend un pull dans sa main et elle achète une. Je vois des hommes qui rigolent beaucoup là, mais vous aussi, vous avez des habitudes inexplicables, les hommes. Hein? On va parler des hommes maintenant. Déjà, on commence par les retraités ou ceux qui ont pris leur congé et qui restent à la maison. Éteignez la lumière! Nous ne sommes pas aux Champs-Élysées là! Mais arrête de jouer à la PlayStation, va réviser tes cours. Mais papa, nous sommes en vacances là. Ah oui, en vacances? Ah ok. En vacances. Mais il faut réviser pour préparer la rentrée. Ne tire pas la chasse 2 fois, une suffira. Papa, je veux acheter un pull de 50 euros, donne-moi 10 sous. Non, il coûte 49,99 euros. Tiens, un billet de 50, rends-moi-le 1 centime. Il y a d'autres habitudes aussi inexplicables chez les hommes. Par exemple, quand vous programmez pour sortir pour une seule destination, par exemple de faire du sport, et vos femmes vous appellent, chérie, n'oublie pas de ramener le pain et passe à la pharmacie pour ramener les médicaments aussi. La réaction des hommes, c'est, oh là là, c'est tout, c'est trop pour moi, c'est bon, je vais annuler. Pourquoi? Ça va prendre que 5 minutes chez le pharmacien et 1 minute chez la boulangerie.
Après, on ne parle pas d'autres catégories hein, qui restent dehors et qui scannent tout le monde. Celles qui partent, celles qui reviennent. Oh là là, qu'est-ce qu'il a celui-là? Oh, il a acheté une bonne voiture là. Il y a cette catégorie aussi. Hein. Il y a aussi catégorie des taxieurs, je les appelle. Pourquoi? Parce qu'il suit une personne avec ses yeux comme ça. Jusqu'à la personne arrive à sa destination. Là. Normalement, la personne doit lui payer. Elle lui donne 10 euros. Voilà, chacun a son comportement inexplicable et voilà, les hommes arrêtent de demander aux femmes leur âge et leur poids. C'est pas bien du tout. Et les femmes aussi, arrêtez-vous de demander des trucs aux hommes à la dernière minute. C'est pas bien, ça nous casse la tête. Allez, à la prochaine épisode.